cher Scorpion, sur votre vidéo du mois de février 2022 qui concerne donc la vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Donc, la carte d'ambiance pour cette période, c'est la carte du pape, l'arcane 5. Je vous la montre parce que l'iconographie de ce jeu qui est afro-américain a une image différente de ce que l'on connaît sur le tarot traditionnel. Voilà. Donc, je vais vous donner donc l'explication. Je continue quand même à présenter la structure du jeu pour les personnes qui sont nouvelles. C'est assez rapide. Donc, ici, le point présent. Ensuite, on a l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, on a la carte donc de la suite de la situation, l'évolution qui va vers le futur. Ici, je vais commencer par la carte du milieu qui est un point passé. Voilà. Ensuite, on a la conséquence sur le présent. Donc, je l'ai mise en dessous de l'autre carte du présent. Et puis, l'autre carte qui est le futur, en dessous de l'autre carte aussi, qui représente le futur. Voilà. On y va. Alors, la carte d'ambiance, c'est donc la carte du pape, qui nous indique qu'il y a, je pense donc, des engagements, des fondamentaux auxquels vous tenez par rapport à une situation qui se présenterait ou qui se présente donc pour une relation sentimentale ou alors une relation affective aussi. Mais bon, on parle de vie sentimentale d'une manière donc globale. Pour moi, ça regroupe le fait d'être donc séparé, divorcé, ou alors d'avoir quelqu'un à l'esprit, quelqu'un dans le cœur, dès qu'on en parle ou dès que vous y pensez, ça fait battre votre cœur et un peu plus fort. Voilà. Mais ça peut aussi concerner donc un lien affectif avec votre cercle familial, votre cercle amical. Voilà pour l'explication. D'où les fondamentaux auxquels vous tenez, quelle que soit votre situation dans votre vie sentimentale. On parle aussi d'engagement. Et donc, si on parle d'engagement amoureux ou même affectif, et auquel on y adjoint de la spiritualité. Ce qui n'empêche pas aussi pour les personnes qui ont envie d'attirer les faveurs de quelqu'un au point de vue amoureux, ce qui n'empêche pas qu'il y ait un aspect aussi de sensualité, voilà, dans la relation souhaitée. Alors, on a sur le point présent la carte temporelle qui s'appelle le passé. Ce qui veut dire pour moi qu'il y a une situation, ou des situations, sur laquelle on peut pas revenir de toute façon, parce que c'est le passé. On ne peut pas changer quelque chose, je veux dire. Mais ça reste important, cet aspect du passé, pour l'avenir. Parce qu'il y a des expériences, des choses qui vous permettent, normalement, qui sont censées vous permettre d'avancer dans un processus, ou alors on va voir avec votre jeu, qui peuvent être aussi contraignantes, hein. Il peut y avoir ce côté-là. C'est quelque chose, en fait, hein, je pense, sur lequel vous vous appuyez pour pouvoir préparer l'avenir, justement. Vous avez besoin de tenir compte de vos expériences passées. Sur le point de l'obstacle, on a la carte de la chute. Alors déjà, c'est un obstacle. Et en plus, donc, elle se présente dans son sens inverse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous touche au plus profond, au point de vue émotionnel. Et alors, il peut y avoir donc une épreuve que vous ayez à faire, comme un examen de conscience. Quelque chose de déstabilisant finalement, et ça peut passer, pardon, par une déprime. J'irai pas jusqu'à la dépression, non, non, juste je pense, une déprime, parce qu'il n'y a pas de carte d'accentuation autour pour moi, donc c'est plus une déprime, peut-être un chagrin, en tout cas de la tristesse de toute façon, de la désillusion, tristesse, une grosse déception, et il y a un détachement à faire, un détachement qui est douloureux pour vous. Sur la suite, on a la carte de la conseillère, c'est une carte très positive, et qui fait appel, je pense que vous faites appel à votre sagesse, justement les expériences passées, le savoir-faire que vous avez de prendre du recul sur une situation qui vous est difficile peut-être d'accepter, de vivre. Et donc, il y a une recherche de sagesse, un détachement qu'il faut accepter. Et vous vous montrez très compréhensif, finalement. Et après avoir fait une analyse de manière objective, mais juste, la plus juste possible. Peut-être qu'il y a un éloignement forcé qui vous cause justement de la tristesse ici, qu'on a vu ici. Mais vous savez quand même l'accepter, parce que vous savez que finalement c'est nécessaire et c'est ce qu'il y a de mieux. Et je pense que aussi c'est en lien sans doute avec une personne, alors là ça ne va pas concerner une personne avec qui vous avez envie d'obtenir des faveurs, mais plus pour des personnes qui auraient quelqu'un de proche, un ami, quelqu'un de la famille. Je pense peut-être un détachement nécessaire de cette personne qui doit s'éloigner de vous ou qui prend ses distances sans avoir dit quoi que ce soit, mais qui montre la relation par ses actions, montre sa nécessité, son besoin de s'éloigner de vous. Sur l'autre carte, l'autre ligne, on va prendre d'abord la carte qui représente le passé, comme ça on aura le présent en conséquence. Donc la carte du passé, elle est dans son sens inverse. Et donc ça montre déjà qu'il y a un souci, une préoccupation. Pareil que en fait l'autre carte qui est juste au-dessus. Hein. Et donc c'est la carte qui s'appelle Friga et qui va nous parler d'un renouvellement amoureux ou amical, qui se fait difficilement parce qu'il est douloureux. Il y a un appel, pour moi, il y a un appel du présent pour créer l'avenir. Donc, ça revient à cette carte-là, finalement. Et ça fait comme une roue qui tourne, voilà, et dans ce sens-là. Il faut repasser sur les expériences, sur le vécu, sur... peut-être des souvenirs, des remords, des regrets qui sont exprimés ou pas. D'ailleurs, on va voir avec d'autres cartes tout à l'heure, qui sont exprimés ou pas, mais en tout cas qui remontent, qui sont là. Sur le présent, eh bien, en conséquence, justement, on a la nécessité de passer par une phase de solitude. C'est nécessaire pour la réflexion, nécessaire pour faire des choix, prendre des décisions. Pour l'avenir, on est tourné carrément vers l'avenir, mais on s'appuie sur le passé, toujours ici. Hein. Sur donc, le futur, eh bien, justement, il y a une carte de rupture. Alors, elle s'appelle Ragnarok, cette carte. Elle est dans son sens inverse, donc ça veut dire que ça pose problème. Et je pense que ce terme, ce cycle qui se termine, finalement, et douloureux pour vous. Donc, c'est la fin d'une période constructive, finalement, puisqu'il faut passer à autre chose. Donc, il faut prévoir l'avenir. Tout votre jeu parle ne parle que de ça. Il faut prévoir l'avenir autrement, avec des nouvelles priorités pour soi, pour vous, d'abord, et puis et en lien, donc évidemment, avec les autres. Mais c'est d'abord pour vous. Il faut rechercher, je reviens sur la carte d'ambiance, il faut rechercher des opportunités, des occasions, des nouvelles choses qui pourraient vous intéresser, de nouveaux contacts. Il faut aller vers les autres, mais ne pas rester seul. Donc, de toute façon, là, c'est ce que vous faites. Alors, on va continuer avec d'autres cartes que l'on va ajouter dessus. Finalement, pour moi, votre jeu, il est positif. Hein, parce que, certes, il y a cet aspect de douloureux, parce qu'il y a une situation dans laquelle vous devez vous éloigner, et en même temps, vous appuyez sur les souvenirs, sur le passé, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, en tout cas, dans l'état actuel du jeu, il n'y a pas de choses extrêmement négatives, extrêmement douloureuses. C'est vrai que il y a de la tristesse, mais voilà, ça ne va pas plus loin pour le moment. On va voir avec les autres cartes comment elles nous parlent. Voilà, donc je coupe. Alors, je vais en mettre une sur le présent, sur chaque carte de toute façon. Là, j'ai envie de faire comme ça. Alors, en complément, on a quoi? Oui, c'est ça. Je dis c'est ça parce que c'est la carte de l'ermite qui nous parle du passé, qui nous parle justement de réflexion, je pense de chagrin, de regret, d'engagement qui ne peut pas se faire de toute façon. Parce que, non seulement parce que c'est déjà passé de toute façon, mais je pense que justement dans cette période du passé, déjà, il y avait une volonté de ne pas aller plus loin, de ne pas aller plus en profondeur dans le lien qui existait, ou alors une impossibilité d'approfondir le lien qui existait, ouais. Incapacité parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas, ou la non-volonté de le faire, même si les circonstances s'y prêtaient. Il y a plus ici, donc, je pense, du regret quand même. Voilà, mais il y a un détachement. Je pense que vous êtes dans cette énergie-là parce qu'il y a la nécessité d'un détachement en douceur, avec de la compréhension, de l'acceptation, d'une certaine philosophie finalement dans ce détachement et de sagesse. Là aussi. On est dans une incapacité de renouveler quelque chose, une situation donc qui est douloureuse parce qu'il n'y a plus le lien fort et chaleureux existant qu'il y a pu y avoir avant. Tout ça, c'est bloqué maintenant. C'est terminé. Et sur l'avenir, on a une carte tout à fait positive avec le roi de denier, qui fait que, tout à l'heure, j'ai parlé de sagesse, d'expérience, de savoir avoir de la compréhension, d'une analyse juste et d'acceptation de l'éloignement. Ici, justement, on a une carte donc qui parle de maturité, d'expérience, de connaissance, de savoir-faire en toute occasion, en presque toute occasion. C'est quand même un roi qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle et donc qui connaît différentes situations et qui sait avoir le détachement nécessaire pour affronter ce type d'événement, ce vécu. Alors, ensuite, sur l'autre point présent, on a la carte du diable. Sur le passé, on a la lune. Et sur, à la fin, on a, sur le futur, donc, on a la justice. Donc, en conséquence, on a la carte du diable qui est dans son sens le moins favorable, qui parle donc justement d'exagération de la volonté, de l'autorité, peut-être de manipulation, et dans son sens le moins favorable ici, pour avoir le contrôle, parce que tout à l'heure on a parlé, on a vu avec l'autre carte qu'il y avait cette volonté de solitude, de concentration, mais pour moi, donc ça rejoint cette carte-là, mais par contre ici, c'est plutôt dans le sens d'avoir cette phase de solitude nécessaire, de faire des choix, qui vont aller dans une direction où vous allez avoir beaucoup d'influence. En tout cas, c'est ce que vous recherchez, d'avoir beaucoup d'influence, d'avoir du poids sur les décisions qui vont être prises, sur les choix qui vont être faits, sur les directions, les orientations qui vont être faites, et que ce soit vous qui vous montriez sous un jour extrêmement flatteur, attirant, et je dirais même envoûtant. Et en plus, dans ce mot envoûtant, gardez-le à l'esprit, puisque on a juste avant la carte qui représente le passé. En complément, c'est la lune, dans son sens le moins favorable aussi, et qui va nous parler justement d'ombre, de pénombre, du passé, de situations amoureuses qui ne sont pas très claires, qui peuvent être justement piégeuses, manipulées d'une certaine façon. Pas forcément manipulées dans le mauvais sens, mais en tout cas très contrôlées. Et ensuite, à la fin, donc sur le futur, on a la carte de la justice et qui vient compléter la carte Ragnarok, où on parlait donc du fin d'une période constructive. Eh bien, on a ce nouveau départ, il est là, avec la carte de la justice, parce qu'on revient à quelque chose de très structuré, avec beaucoup de discipline, de clarté, qu'il n'y avait pas eu avec la lune, de contrôle, de discernement, qu'il n'y a pas forcément avec la carte du diable. Et donc là, on revient sur quelque chose de très structuré, très équilibré, comme la carte du dessus avec le roi de denier, où on a beaucoup de maturité, de loyauté, d'intégrité, qui sont les priorités justement pour avancer dans votre processus et aller vers la personne en question, qui peut-être vous tient à cœur justement. Donc c'est un retournement de situation finalement, sortir d'une période fragilisante pour retomber sur une structure bien ancrée et bien solide et très claire. Eh bien, bravo cher Scorpion. Ce sera mon dernier mot par rapport à votre tirage. Je vous dis au revoir et je vous souhaite très belle continuation. Au revoir. Non, cher Scorpion, je me suis trompée. J'ai oublié de faire la suite. Alors, je ne m'en vais pas, je continue, puisque j'ai prévu de faire cette vidéo avec d'autres cartes. Ce sont des cartes astrologiques. Je les fais pour tout le monde, donc je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas pour vous. Donc, je pose les maisons des cartes astrologiques choisies. La maison 1, la maison 5 et la maison 4. La maison 1 parce que c'est vous. La maison 5 parce que ça représente l'amour. Voilà. Et puis la maison 4 parce que c'est l'amitié qu'il peut y avoir avec une personne du cercle familial ou du cercle amical. Parce que ça représente le foyer, la famille. Voilà. Donc on y va. Avec ces trois points-là, je vais ajouter deux cartes. Une carte qui va être le signe et l'autre carte qui va représenter l'action puisque c'est la planète. Alors, j'ai fait semblant de partir, mais c'était pas fait exprès. Allez, on y va. On met les deux cartes, donc une bleue, une rouge. Elles sont presque dans l'ordre. C'est celle que je choisis, de toute façon. Donc, on a le signe des Gémeaux pour vous, avec la planète Mars. Donc déjà, c'est très très actif. Ensuite, on a le signe du Lion avec Pluton comme planète. Le signe de la Balance avec la planète qui correspond à la Balance, c'est-à-dire Vénus. Donc, sur ce qui vous concerne directement pour ce mois de février, vous allez être très actif, très en communiquant. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Alors, attendez, je regarde de nouveau parce que j'ai plus en tête. Ça, c'était la première. Je vais mettre ça comme ça. Ah oui, d'accord, on était sur le passé, la conseillère, etc. Ah mais oui, ça correspond à l'autre carte du présent. Donc voilà, vous êtes donc, oui, c'est confirmé pour moi avec la carte de Mars. Donc très communicant. L'envie, comme on a dit tout à l'heure, l'envie de plaire, l'envie d'être le premier, d'être remarqué, mais par le son de votre voix déjà, par votre esprit, votre sens de l'esprit, avoir de l'esprit, hein, votre langage, vos paroles, les mots que vous allez employer, voilà, c'est votre manière de vous présenter. Et c'est pourquoi ça correspond directement à cette carte du diable qui a envie justement de charmer, de mettre ses interlocuteurs sous sa coupe et de pouvoir justement profiter de ce public, entre guillemets, de ce public pour jouer son rôle sur le mois de février. Alors, sur la maison 5, la maison on parle d'amour. On a le signe du Lion avec Pluton. Donc là, pour moi, on va parler de mystère, on va parler d'ambition, on va parler d'attraction, comme l'autre carte de toute façon, l'autre carte de Mars. On a beaucoup d'actions, mais associée avec la carte du diable, c'est justement ce côté attractif qui joue très très fort. Et cette façon de présenter les choses en ayant du pouvoir, donc quel que soit ce pouvoir, ça peut être une richesse matérielle, financière, mais ça peut être une richesse justement intérieure, où on a du talent pour, et du charisme pour présenter les choses, pour se montrer sous son meilleur jour, pour donner confiance à l'autre, pour donner envie du désir à l'autre. Voilà, tout cet aspect ambitieux de se montrer sous son meilleur jour et d'être, d'exister de cette manière-là sur le mois de février. Sur la maison 4, donc foyer, famille et amitié, on a donc Vénus qui est en accord avec l'aspect justement de trouver de l'équilibre, trouver du lien, trouver de l'amour, de l'amitié, créer des liens, les renforcer. Tout cet aspect-là qui est très important pour vous. C'est ce que vous allez en fait développer. Donc, il y a la partie, toute la partie finalement sentimentale, que ce soit amoureux ou amitié, elle est très importante pour vous sur le mois de février. Vous avez, j'emploie le mot rôle, très important parce que pour moi, c'est pas forcément un rôle en disant ce n'est pas votre vraie personnalité, c'est votre façon d'être qui se développe de cette manière. Non que vous jouiez un rôle, mais vous avez une place importante au sein de soit de votre famille, soit de votre communauté, au sein de votre environnement finalement. Vous avez envie et de toute façon vous brillez durant cette période au sein du groupe des personnes que vous côtoyez ou qui vous côtoient régulièrement. Vous avez de l'importance et du charisme. Voilà, chers scorpions, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt pour ma part sur d'autres vidéos. Au revoir.